Après quelques heures à contempler le paysage, nous arrivons enfin dans la capitale de l'un des Niedjo Ablin. La ville vibre déjà au rythme de la fête. Bienvenue à Bengou, c'est info! Mais pour mieux sentir l'ambiance, il faut se rendre dans la cour royale, située à quelques mètres du centre-ville. Ici, tout est fin prêt pour accueillir les nombreuses personnalités qui effectueront le déplacement pour assister à cette célébration. Il est 14h. Au son du tam-tam royal, les invités font leur entrée. La cérémonie peut enfin débuter. Personnalités politiques, administratives, chefs coutumiers et cadres de l'Indénié, tous ont, selon la tradition, pris part aux festivités au palais du roi. Une première journée consacrée aux libations et autres rituels pour implorer la bénédiction des ancêtres. La fête des Ingam est célébrée pour rendre hommage au tubercule nourricier qui a sauvé le peuple Ashanti lors de son exode de l'ancien Ghana vers la Côte d'Ivoire. La fête de l'Ingam, dont l'un des Niedjo Ablin, c'est aussi l'occasion de retrouvailles des fils et filles autour de plusieurs activités. Des compétitions sportives ont été organisées dans la journée du samedi, du cyclisme et du marathon en journée. Venu directement d'Abidjan, elle est venue représenter Abidjan. Abidjan. C'est sûr, là. Konaté est toujours présent et c'est qu'elle va gagner les 10 km. Si Dieu le veut, Inch'Allah. La fête des Ingam est une occasion de rassemblement de toutes les filles et tous les enfants du royaume de l'Indénié. Ben, la fête, c'est une belle fête, c'est une fête de réjouissance, une fête pas familiale, mais une fête de la région, des enfants de l'Indénié. Et puis le tour cycliste, oui, c'est aussi un tour, puisque le président Jean Kakou, qui est un fils de l'Indénié, est quand même un grand précurseur du cyclisme de notre pays. Donc on espère que le tour sera beau, ce sera un beau tour cycliste, et puis que ce moment de réjouissance va plaire et faire le bonheur de tous les enfants de l'Indénié, toutes les filles et les fils de l'Indénié. Cette info, bienvenue avant vous. We'll be right back.
Dans l'après-midi, la ville a vibré au rythme du ballon rond. Deux équipes se sont affrontées lors d'une finale dotée du trophée Nanambwa Kwasi III, roi de l'indénié. On est parti, on va envoyer un ballon pour trouver un partenaire dans le représentant. On est de prendre la fille, le capitaine qui va envoyer un ballon juste à sa base arrière. Après un tournoi sans concéder le moindre but, c'est finalement FC Kwatiankro qui l'emporte devant Wingstad à Nicro. Le stade est en ébullition. Le corps arbitral et les différentes équipes ont été récompensés. Et on s'amuse de l'aile. Et on va saluer Patrick Pagnon. On a fait une grosse erreur tout à l'heure. Les délégués régionales des sports. Merci. Nous allons également saluer Angora. Angora qui est là. Le président du groupe Agna. Merci mon très cher Pépé. Merci. Merci, merci. Vous avez relancé l'image. Le merci. Au contraire. Les célébrations de la fête des Ingham à Abengourou est donc une réussite. Les autorités de la ville promettent plus de festivités l'année prochaine. Cette année, pour nous, est le départ d'une nouvelle orientation de cette coupe. L'année prochaine, nous vous invitons, parce que l'année prochaine sera encore plus grand. Plus grand. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine, pour une fête encore plus réussie.